Putain, c'est vraiment fourbe. Il y a de la saleté en dessous. Il y a de la saleté partout. Les gens sont dégueulasses. Partout, ils peuvent chier, ils vont chier. Mais les gens sont des chieurs fous. Hein. Dès qu'ils peuvent poser une merde, ils le font. Hein. Trouve-moi un honnête citoyen dans ce monde qui a pas déjà chié ou pissé dehors. Mais même moi, j'ai honte. Mais j'ai déjà chié partout. Hein. Voilà, comme un rat. À 23h, à minuit, il y a personne. Personne nous regarde. Tu chies une grosse. C'est bon, t'es là. Tu sors sur ton palier, tu fais ça sur le paillasson du voisin et t'as rien fait. Et alors? Mais c'est animal, c'est comme ça. Salut espèce de vieille dégarnie, espèce de gros geek qui pue là. Salut. Je viens de parler de l'arrivée des nouveaux processeurs AMD Ryzen 7000. Tu tombes bien. Avec les canicules à répétition, mon processeur actuel n'a pas passé l'été. Comme ma grand-mère d'ailleurs. Il y en a pour tous les budgets. Ryzen 5 7600X pour l'entrée de gamme, Ryzen 7 7700X en milieu de gamme, et Ryzen 9 7900 et 7950X pour les énormes bourses comme les tiennes. C'est vrai qu'elles sont bien grosses. Ces nouveaux processeurs... Les bourses... Ces nouveaux processeurs ont tout d'un 5 étoiles. 5 nanomètres pour plus d'efficacité énergétique, plus de 5 GHz pour une puissance phénoménale sur les jeux, AM5 avec un support jusqu'en 2025 minimum, PCIe 5 et RAM en DDR5. Tu veux les voir? Mais tu... Non. Pour accueillir ces processeurs, les nouvelles cartes mères Asus AM5 sont idéales et elles te permettent même d'overclocker automatiquement le CPU avec le Asus Dynamic OC Switcher. Ah c'est bien, t'as l'air super à l'aise pour cette manipulation. Et sur cette nouvelle architecture, la RAM passe en DDR5. On te conseille d'ailleurs la Kingston Fury Beast qui a d'excellentes performances avec les CPU AMD Ryzen 7000. Il se la pète un peu pour mettre sa RAM, mais soit, passons. Niveau stockage, les nouveaux SSD Kingston Fury Renegade M2 sont parfaitement adaptés également. En plus, avec le système QLatch d'Asus, plus besoin de vis pour fixer ton SSD, ça prend 3 secondes. J'ai rien vu avec ta grosse main de merde, mais ça avait l'air super simple et rapide. Tous ces composants sont disponibles dans différents bundles sur matériel.net. Regarde celui-là, 1099€ pour un AMD Ryzen 5 7600X, une carte mère Asus TUF Gaming X670. 70E et 32Go de RAM Kingston Fury. Et hop, grâce à mes belles bourses. Merci à AMD, Asus, Kingston Fury et Matériel.net. Cliquez sur les liens dans la description pour découvrir ces produits. Merci beaucoup, ça marche à fond. Je suis allé laver ma voiture dans un truc où tu peux rester dans ta voiture et ça fait un petit parcours comme une attraction. Et bah c'est vachement bien. Attends, redis. Tu peux rester dans ta voiture, donc déjà normalement tu peux pas trop rester dans ta voiture quand tu la laves. Et tu parles de quoi? Ah, dans la vraie vie. Oui, le geek, dans la vraie vie. T'avais jamais été dans un car wash de ta vie? Mais c'est pas comme ça les car wash, c'est pas comme ça un car wash. On parle bien de... On parle bien de ta voiture que tu la mets, elle démarre et tu passes dans un tunnel où il y a plein de lavages différents. Normalement tu vas à Total Wash machin, ta voiture elle reste sur place avec des vieilles brosses. Ah non, moi je te parle du truc où t'avances dans le long du tunnel. Damn, excuse me, car wash expert. Putain, j'ai le seum. Ouah, mais... Oh putain, clignotant, ça fait des points quand je nettoie clignotant. Oh, les feux arrière, ils sont grave nettoyés. Feu stop. Les vitres arrière, donnez-moi mes points pour les vitres arrière, sale chien. Ouah, le dessus il est sale, il me faudra un tabouret. Ah bah j'en ai un ici. Je monte dessus, excusez-moi. T'imagines, tu fais ça à la voiture d'un client. Excusez-moi, mais c'est plus simple. Ah ouais, tu peux changer ton embout, mais nous on a. Oh, embout. Ah, embout à 25 degrés. Ah, mais ça fait. Ouais, c'est pratique pour les forces. Mais par contre, le 0 degré, ça doit être genre un Karcher. Oh ouais, ça c'est pour les tâches tenaces. J'ai mis embout à 0 degré pour la vitre parce que c'est bien incrusté. A raison, faut y aller. Faut pas croiser des jets, ça porte malheur. Ah. Tiens, on les croise comme des vrais bros. Qui n'a jamais croisé son jet avec son pote? Mais des vitres, tu m'as fait ça n'importe comment. Hein. Arrête. De toute façon, si ça fait pas ding, c'est que t'as tort. Là, je suis en train de faire des vitres, c'est tout crade. Et bah voilà. La planète en PLS. Oh, mais l'eau, il y en a plein. C'est bon. Ça va, et... Et le monsieur va être content d'avoir sa camionnette toute propre. Hein. Bah, c'est la nôtre. Ah merde, on n'est pas payé pour ce qu'on fait? Non, c'est gratos. Et les rétroviseurs latéraux, t'as fait n'importe quoi. Hein. Je les ai pas fait. Ils sont dégueulasses. Ah bah voilà, c'est 98% nettoyé. Mais ah, regarde ça, t'as les vitres dégueu. Voilà. Ah, 99, voilà, voilà. Il doit rester un peu de saleté. La petite tache là, allez où la petite tache? Ah, c'est écrit pare-choc calandre. Tu t'occupes de la calandre, je m'occupe du pare-choc. Mais si seulement je savais ce que c'était qu'une calandre. Ah la honte, c'est parce que c'est une calandre. Moi, c'est juste que je voulais faire le truc, mais je sais ce que c'est. Il reste que le pare-choc, apparemment, j'ai fait la calandre. Ouais, ça va, le pare-choc là, il est bien le pare-choc. Franchement, c'est nickel là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a peut-être un peu d'eau gâchée. Oh, mais c'est pas grave, pas. Ça se recycle, il y a une évacuation. Oh, il y avait une vilaine tache devant. On a un replay de nous avec une caméra qui l'avons. Bah, d'ailleurs, on voit que t'es un connard et que tu montes sur le véhicule. Oh, c'est crade de dingue! Ah, c'est super crade! C'est extrêmement incrusté. Bon, bah, je vais essayer de m'occuper de cette merde, mais oh là là! Va falloir bosser, hein. Ah, puis c'est incrusté, hein. C'est trop incrusté, je vais le faire au Karcher. Attends, t'as combien de dollars en haut à droite? 150. Excuse-moi, mon pote, est-ce qu'on pourrait partager les gains de notre mission qu'on a fait à deux? T'as combien? Zéro. 150 divisé par 2, ça fait 75 en fait. Non, sérieux, regarde ce qu'ils ont fait les anciens clients, c'est abusé. Non, c'est n'importe quoi, sérieux. Quel fils de pute. Faut vraiment nettoyer. Moi, regarde, ça. Hein. Les blagues de Terracid, mes blagues. Genre, vraiment, c'est abusé.
Moi j'ai honte de travailler pour des gens comme ça. Les clients sont vraiment des salauds. Enculé. Mais le problème c'est que toute la terrasse, regarde. Ils ont chié partout sur la terrasse. L'entièreté de cette terrasse est crade. Mais c'est gargantuesque, qu'on va y passer tout le stream. Ouais mais c'est des satisfying vidéos. Non, non, c'est super bien nettoyé là. Comment ne pas faire des satisfying vidéos, c'est impossible. This is so satisfying. N'hésite pas à faire tab. Oh, ça, tu vois la saleté. Putain. C'est beaucoup plus facile. Ah putain, comment c'est sympa ça. C'est plus difficile de trouver les tâches. Nous, on aurait fait le boulot tranquille. Nous, on aurait trouvé les tâches. On a un savoir-faire. Mais bon, si on peut tricher comme ça. Je finis jamais ce que je commence. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. Du coup, je change. Ah ouais, c'est mais ça va être bien fait le boulot du coup. Ouais, carrément, ouais. Vous vous rendez compte que j'ai payé 20 balles pour ça. Tu sais que des gens sont payés pour faire ça. Hein. Moi, je paye pour faire ça. De quoi se plaignent des gens? Faire ça gratuitement toute la journée, tous les jours. Moi, je signe direct. Hein. Le problème des gens qui font ça vite, c'est que c'est du travail mal fait. Moi, tu vois, je suis pas payé à l'heure, mais je veille à ce que le travail soit bien fait. Il est dans un autre délire, il est vraiment impliqué dans le jeu là. C'est vraiment bien fait quoi. En tout cas, moi j'ai pris une claque grâce à Powerwash Simulator. La claque de l'année, je dirais. Regarde tous les glingling, regarde tous les glingling. Oh là là. Oh là là, la palissade. Oh, c'est une blague. Ouais, je l'ai pas faite la palissade. Ah bah ouais, ouais, je vois ça, ouais. Ah bah non, ça. Bon bah d'un côté, un mec qui fait le travail comme il faut, et de l'autre, un gars qui veut finir sa journée rapidement. Le truc, c'est qu'on devrait regarder la quantité nettoyée. Parce que entre lui là, qui fait son barbecue, ces petits trucs à oiseaux. Moi je suis dans le dur là, je suis sur une terrasse de 50 mètres carrés là. T'es comme les éboueurs à Marseille, s'ils terminent plus tôt ils peuvent se barrer. Résultat, tout est mal fait. Il a fait que des petits trucs là, que des Là, la palissade, elle est nickel. Là, j'ai hâte de voir la dernière vague. Oh là, putain, il a mis 50 ans pour faire un panneau. On en peut à gauche, plus, là, on ronfle. Link, on ronfle. À droite, terracide. On ronfle. Oublie pas pour qui tu bosses. Je te rappelle que t'as 0$. Bah, le patron, il va me donner un peu d'argent. Il y a un système d'échange d'argent. J'en sais rien. Parce que moi, si j'ai pas d'argent sur celle-ci, si j'ai pas mon argent de la dernière, tu vas bosser tout seul. Ce sera la grève. Oh, la cabane. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait à cette cabane? J'ai rien fait. Mais c'est ridicule. Non, ça t'a pas effleuré l'esprit qu'elle était pas comme ça quand on l'a installée, cette cabane. Et cette tondeuse, oh la pauvre tondeuse. On va lui redonner sa gloire d'antan. Allez, vraiment, si on y va à deux, là, il y a juste à secouer un peu partout. Allez, ouais. Voilà, fait nettoyer. Bon, la cabane, on est dans le dur, hein. Ah ouais, là, il y a de la surface. Hein. J'allais écrire sur la cabane quelque chose et je me suis arrêté tout seul. Aujourd'hui, je vais pas me faire ban. Oh, le timelapse qui va arriver. Oh, le boulot qui a été fait. Oh, le boulot. Ah putain, mais il a toujours aimé les jardins pour enfants, Terracine. Mais non, mais parce que le bungalow, c'était l'extérieur et je me suis dit, c'est du déjà vu avec ce qu'on a fait dans le jardin. C'est que l'extérieur, ça. Tu savais que ce banc était rouge? On n'aurait pas dit, hein. Waouh! Oh, il y a d'autres couleurs! Oh, il est magnifique le banc! Tiens, je me serais jamais douté qu'il y avait un tel banc. S'extasié sur un banc. J'ai pris deux nouveaux embouts. Ah, c'est là l'extension. Ah, je peux faire de la terrasse, enfin le sol de beaucoup plus loin. J'aime ces achats. J'ai l'impression que tu t'es rentré du boulot et tu m'as acheté un beau cadeau. Le mari qui offre un truc à sa femme de nettoyage. Elle était pas contente. Alors que j'ai acheté le Vista Print 1500. Alors, voilà, là, mais il y a tellement à laver. Tu vois, c'est pour ça que je nettoie jamais chez moi. Parce que souvent, je me dis ça aussi. Putain, il y a tellement. Ouais, puis nous, on n'a pas des tels outils, tu vois. Donc, autant rester dans la crasse. Parce que de toute façon, à laver pour devoir relaver 6 mois après. Bon, merci. Honnêtement, le Triceratops, c'est vraiment compliqué. Bah ouais, ça m'a de loin comme ça. Ça m'avait l'air. Oui, c'est un stégosaure, oui. Excusez-nous, les paléontologues. Toujours. Hein, excusez-nous, William Grant. Ils ont pas pu se retenir, alors ça je l'aurais parié. Ah mais c'est fallait qu'ils le disent hein. Ça a vécu de quelle époque à quelle époque ça? Ça mangeait quoi ça hein? Qu'est-ce que ça mange? Ça chie quelle forme de merde. Putain vous savez tout ça. Achète du savon ça ira mieux, ça sert à rien. C'est comme quand je me douche, chaque fois que je mets du savon je vois pas l'avant après donc j'en mets plus. Moi je ne mets plus de shampoing depuis un an. Ouais, comme ça c'est réglé hein. Oui mes cheveux sont gras mais il paraît que c'est très bon. Et c'est très très sain et comme ça moi j'ai plus besoin d'acheter d'huile pour faire des frites. C'est un petit goût de moi. J'ai sort au-dessus de la poêle. Mais il y a pas d'onde. Être technicien de surface, c'est un des meilleurs métiers finalement. Alors là, je comprends pas pourquoi on peut pas appeler ça un homme de ménage. Pourquoi appeler ça un technicien de surface? C'est complètement con. Moi, je suis un homme de ménage là. Parce qu'on dit pas qu'une femme elle est technicienne de surface du coup. C'est vrai que j'ai jamais entendu homme de ménage et j'ai jamais entendu non plus technicienne de surface. Et bah, on va faire changer les choses aujourd'hui. Et bah voilà, il suffisait d'en parler et maintenant je suis sûr que les choses vont changer. Voilà, on est homme de ménage. Ça part de vous, tout est entre vos mains maintenant. Je te préviens par avance, ne me fais pas trop de remarques sur l'extérieur parce que ça, c'est un sujet sensible. Mais je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. De même. Ne fais pas ce genre de choses. Je suis un peu tendu parce que j'ai fait 300 mètres carrés de terrasse et je sais pas qui de nous deux a le travail le plus laborieux. Moi c'est dans plein de petits détails, c'est vraiment chiant. Oh mais l'albide tout crade, lui peut-être est jaune en dessous en fait. T'es encore sur ton stégosaure? Mais mec il est gigantesque. Par contre là je le vois, il a changé de couleur. Et alors les connards de paléontologues, le stégosaure il était violet à dos jaune. Ah ça vous embouche un coin ça hein. Mais c'est qu'il a le cul sale. Oh j'ai chaud putain. Et pourquoi t'as pas amené ta clim alors qu'il fait 45 degrés? La flemme comme tout Damien, la flemme. Bah, elle est très
très très loin de où t'habites. Non, elle est à ma cave en bas, mais. T'es une merde. C'est lourd, c'est loin. Genre, t'as oui, pas l'ascenseur qui mène à ta cave. Bah voilà, tu te la gueule du monde. Dans l'ascenseur, et alors c'est, c'est lourd, c'est chiant. Oui, il y a des roulettes, et alors c'est dès lourd. Que j'ai su qu'il allait faire chaud, je l'ai remonté. Hein. T'es un vilain cochon, là. T'es en sueur, là. Bah non, mais justement, ouais, avant d'être un vilain cochon, je dis que je vais pas le laisser. Je suis tout mouillé. Bon, le steakosaur, là, c'est bon, il est bientôt fini. Le steakosaur. Moi, je me prends des petits filets de drumsteak à chaque fois quand je vais chez le boucher parce que je me dis, je suis pas riche pour rien. Je suis allé chez le charcutier tout à l'heure, j'ai pris des paupiètes de dinde. Oh, c'est bon ça. Faut s'écouter, hein, faut se faire plaisir. Hein. Sinon, ça sert à quoi? Nous, on est là pour vivre, pas pour survivre. Avec vos subs, je ferai des grands projets. Nous, on s'achète des paupiètes de paupiètes. Dinde. Paupiettes de dinde, des filets de drumsteak. Des filets de drumsteak, voilà. Voilà ce qu'on fait avec votre fric. Eh ouais, mon gars, y a pas de projet ici. On dirait qu'il reste juste la structure, mais putain, y en a partout. C'est horriblement crabe. Et en a cause, on dirait qu'on n'est pas des bosseurs chez Wankil, putain. Non mais c'est clair, hein. Les autres avec leur gros projet de merde, se sont déjà tapés un terrain de jeu pour enfants en nettoyant en entier. Jamais ça ira se casser le cul à faire ce qu'on fait là, jamais. Ils vont faire la camionnette, après ils vont se dire bon, on change de jeu. Si seulement je pouvais ramener 15 connards d'abonnés quand même. Ça irait plus vite, hein. Puis ça leur ferait plaisir. Mais oui. Ça peut ressembler à de l'exploitation. Mais non, ça leur ferait plaisir d'aider. Vous me demandez que ça, ça reprend des couleurs. Hein. Mais les gosses jouaient là. Ils attrapaient des maladies. C'est au bout du 15e gosse mort cette année qu'ils se sont dit bon, à peut-être retirer des clous et nettoyer. Un peu. Petit coup de polish. Ah, tu bloques mon jet. Si je devais donner 1€ à chaque fois que tu bloques mon jet, je serais pauvre alors qu'il est. J'ai toujours fait très attention à ton jet, donc... Dis-toi que j'ai dû changer d'endroit à force que tu me le bloques. Ouais, d'accord. Bah, vivement qu'on passe à autre chose, hein, parce que là, l'ambiance est horrible, hein, sur ce... Ici, c'est mal fait, mais bon, on a l'habitude. Alors là, crois-moi qu'après, on n'en fera pas du tout ensemble. Alors, les modules seront faits chacun de son côté, chacun son module, parce que là, c'est... Quand t'auras fait un stégosaure tout seul, tu pourras te dire que t'es bon au nettoyage. Ouais, voilà, il vient, il met son petit grain de sel. Vas-y, tout nettoyer. Bah oui, il finit. Bah, c'est comme il finit. Il finit mes kills. Un job qui doit être quand même plus agréable en solo. Je vais mettre une review. Je recommande le jeu en solo. Des conseils avec un entre guillemets ami. Il y a certaines couches de crasse qui doivent être attaquées avec un jet puissant. Crasse. C'est chiant. Putain, mais moi quand j'avais mon prépuce, c'est au moins du jet jaune. Hein. Le vert ne suffit pas. Jet jaune directement dedans avec un boulon. N'essaye pas de faire du bleu ou du vert. Hein.